énormément de monde. Donc il va y avoir un roulement comme d'habitude. De campagne, on arrive avec le pool des journalistes nationaux qui a été sélectionné. Okay. Voilà. On va les faire passer. Oh non, mais c'est pas cool, vous laissez passer la presse nationale, on attend qu'une heure. Je sais. Rentre-toi. Oui. Toi toute seule, pour l'instant. Ah oui, mais je sais, mais c'est... Non, mais c'est fou, c'est notre gueule. Ah non. On a un problème. Je m'en vais, ça va faire du bien. Attendez, c'est flou. Ah non, jamais. C'est bon, c'est bon. Et nous, ça nous fait très plaisir. On est vraiment ravis de le recevoir, comme on est ravis de recevoir d'ailleurs tous les auteurs qui veulent venir nous rencontrer et rencontrer leur public chez nous. Est-ce que vous l'avez lu, son livre ? Oui. Et vous en pensez quoi ? C'est un livre plutôt bien écrit, et c'est la première chose qu'on remarque. Deuxièmement, c'est un livre qui est assez... Enfin, on sent que chaque dossier a été travaillé. C'est un bon résumé de dossier bien construit. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, M. Poulain ? D'accord, j'ai vu un psychiatre tout à l'heure, vous voyez, donc maintenant... Bon, toi, t'es pas le plus jeune, hein. 5 ans, t'es con, toi, oui. D'accord, 5 ans et demi. Et ça s'appelle la brouille, c'est comme une élection, hein. C'est comme ça. Gagné. Bah, parce que c'est normal. Bon, c'est la fin de la brouille. Comme le livre. Exactement. Voilà, nous voilà. Bon, monsieur le président, vous m'avez fait nos livres. La deuxième, voilà, d'autre part, c'est l'appétence. C'est un toit de collègues socialistes aujourd'hui, ici élus, qui ont des avis partagés sur la réunification de la Bretagne. Oui, j'entends donc. Votre avis à vous, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu ? Moi, je ne suis pas partisan de modifier les frontières administratives, les limites territoriales. Il faudrait vraiment qu'il y ait une demande unanime des élus pour que nous puissions ouvrir une procédure. Comme ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a mieux à faire en ce moment que de simplement s'interroger sur la capitale bretonne. Donc vous n'êtes pas pour la réunification. Et la France des régions, prenez par Jean-Yves Le Drian, on vous a pas entendu forcément reprendre cette idée de manière... La France des régions, j'y crois. Ouais. Je pense que les territoires, c'est un facteur de croissance, de production, de développement. Donc je veux faire un nouvel acte de décentralisation. Je préfère transférer des compétences, donner des libertés, changer la fiscalité locale pour que les régions aient la force nécessaire plutôt que d'aller faire des débats qui nous emmèneront nulle part. Okay. Sur Notre-Dame-des-Landes, le projet suit pas mal de critiques en ce moment, notamment chez vos alliés verts, écologistes. Votre position, elle n'a pas changé là-dessus, c'est on fera l'aéroport. L'actuel aéroport ne convient plus. Ça, c'est ce que disent certaines personnes. Voilà. Hein ? Tout le monde n'est pas d'accord. La procédure a été lancée depuis des années, tous les contentieux ont été épuisés. Donc maintenant. Il y a encore un du côté de l'Europe. Donc si tous les accords sont donnés,
l'équipement se fera. Je sais que les écologistes sont hostiles, je sais que d'ailleurs il n'y a pas que des écologistes, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui contestent. Enfin, je respecte cette position. Mais en même temps, dès lors que toutes les formes juridiques ont été respectées, qu'il y a une volonté là encore locale. Il y a des arguments forts qui pèsent en faveur, notamment d'un réaménagement de l'aéroport de Nantes, etc. Cette solution a été regardée, Jean-Marc Ayrault m'en a parlé, donc c'est plutôt vers un nouvel aéroport qu'il convient de faire l'effort. D'accord. C'est plus nous sommes des jeunes électrices, du coup on s'intéresse à un minimum à la politique actuelle. Et vous savez déjà pour qui vous allez voter ou vous êtes venu chercher On a des idées je pense, mais au moins du côté, de quel côté c'est. On verra, pas grand chose. Entre les fonctionnaires ou les enseignants, un troisième les syndicats et nous, nous sommes dans le rassemblement et la cohésion sociale. Chers amis, c'est Ségolène Royal. À 18 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le moment est venu de lancer un vibrant appel à tous ceux qui veulent s'abstenir ou qui hésitent à venir voter, alors que le changement a besoin de tout le peuple de France, peuple libre. Qui mérite un nouveau destin. J'ai pensé depuis de longs mois que je pouvais être le prochain président pour la France. Je n'ai jamais eu l'obsession du pouvoir pour lui-même. Mais je corresponds à un moment, à une aspiration, à une attente. Je veux servir mon pays. Je veux préparer son avenir. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle nation. Nous sommes la France. Et je ne suis pas candidat à n'importe quelle fonction. Je suis candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire là, cette responsabilité éminente. Nous avons en commun un devoir, une obligation, une exigence. Gagner, gagner en 2012. Gagner pour nos idées. Gagner pour les valeurs de la République. Gagner pour la France. Le changement, c'est maintenant. C'est une grande et belle réunion ce soir. D'abord, parce que vous êtes venus nombreux ici, au-delà même de cette salle, celles et ceux qui nous entendent, que je vois là. C'est une grande et belle réunion parce que nous sommes en Bretagne. La région de toutes les conquêtes, la région de toutes les cultures, de toutes les histoires, la région capable de tant d'inventions, la région qui donne à la France ses usines, ses terres et aussi sa surface maritime, la mer, grâce à laquelle la France est une puissance. Merci, la Bretagne. Le candidat sortant est au pouvoir depuis 10 ans. Il est président depuis 5 ans.
C'est long, 5 ans. C'est interminable, 10 ans. Et vous voudriez continuer ? Et le candidat sortant voudrait faire croire aux Français qu'il serait un homme neuf. Sans passé, sans passif. Il se vante chaque jour qu'il est le chef de tout. Et il aime bien être le chef. Chef de l'État, chef de la majorité, chef de parti, chef de famille, chef de clan, chef de caste, chef de tout, mais jamais responsable de rien. À chaque jour, d'ailleurs, sa mesure. À chaque événement, une posture, une imagination dont vous n'avez pas ici conscience. Chaque jour qui passe, une nouvelle proposition. Même la nuit, il réfléchit. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver ? Je l'écoutais. J'étais loin pourtant, j'étais sur l'île de la Réunion. Et j'apprenais qu'il avait promis à des jeunes qui étaient venus l'écouter une banque pour les jeunes. Comme si d'ailleurs, les jeunes voulaient un crédit. Non, ils ne veulent pas un crédit aujourd'hui, les jeunes. Ils veulent une formation, ils veulent un emploi, ils veulent un logement, ils veulent une dignité. Mes chers amis, j'ai l'impression qu'on est là pour longtemps. Parce que je ne suis qu'au début de mon propos. Et j'ai tant de choses à vous dire. Je voulais d'abord vous parler de son bilan, puisqu'il n'en parle jamais. Or, il est doublement d'actualité. D'abord parce que l'élection présidentielle, c'est le moment de rendre des comptes. Mais aussi parce que il a annoncé qu'elle allait bientôt, demain, présenter son projet. Je vois votre impatience. Je mesure votre inquiétude. Je vais vous faire une confidence. Son projet, moi, je le connais. Et je vais vous le dévoiler. Vous gagnerez 24 heures. Son projet, c'est son bilan au pire. Qu'est-ce qui vous arrive en fait ? Ben on va approcher le petit journal. Ah non, moi ça m'intéresse. Que François Hollande vous a convaincu ? Non, pas du tout. D'ailleurs, on est venu en territoire ennemi. C'est pas que c'est territoire ennemi, on est venu en tant que citoyenne parce qu'on a envie de pouvoir voter en connaissance de cause. Et en l'occurrence, ben on l'a vu. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a dérangé par exemple ? C'est un peu des rêves en l'air, des bagots. Bah, déjà, il ne propose pas beaucoup. Et dans ce qu'il propose, il critique beaucoup trop Sarkozy. Voilà. Il a passé 25 minutes à critiquer Sarkozy et puis 5 minutes à donner des propositions qui sont. Enfin, il les propose, certes, c'est très bien, c'est très intéressant comme proposition, mais il ne nous explique pas comment les financer. Coucou ! C'est notre fête. Il est super sympa, il nous a filé des sucettes. Et donc, vous savez déjà pour qui vous allez voter ? Bah, maintenant, oui. En tout cas, maintenant, ça m'a persuadé pour François. Voilà. D'accord. C'est indiscret de vous demander pour qui ? Ouais. D'accord. Très bon. Et est-ce qu'il y a une proposition qui vous a peut-être un peu tapé dans l'œil qui pourrait. Ouais, mais c'était Ségolène qui parlait de la croissance verte pour l'industrie. C'est bien. Ok. C'est pas le bon endroit. Non, on est en plein interview là. Bah, l'égalité salariale homme-femme, déjà. Je trouve que c'est vraiment. Enfin bon, c'est vrai que ça me concerne pas, ça vous a pas échappé que je suis un homme. Mais je trouve que c'est vraiment un symbole très important, surtout dans la crise économique qu'on vit en ce moment. On a besoin de solidarité. Et puis la mesure qui me parle vraiment le plus, c'est la fameuse taxation, la tranche d'impôt à 75% pour les revenus au-delà d'un million d'euros. C'est moral, parce que il n'est pas acceptable que des gens dans cette crise-là touchent autant d'argent. Et puis ça fixe une règle pour tout le monde. C'est-à-dire que voilà, il y a un salaire qui est maximum et au-delà de ça, c'est indécent. Et moi, ça me touche. Je trouve que la République, elle se grandit à fixer des limites aux plus puissants,
Il a adapté un peu son discours à la ville de Rennes, non? Un peu plus offensif, un peu plus de gauche? Je pense que François Hollande connaît bien tous les territoires de France, ça a leur spécificité, et il le dit à chaque fois qu'il va dans une région, il la connaît, il connaît quels sont les talents, quelles sont les réussites d'une région, et effectivement il a un discours qui peut parler à chaque Français, à chaque citoyen et à chaque région de France. C'est une ville qui a voté pratiquement à 70% pour Ségolène Royal au deuxième tour de la présidentielle. Vous espérez un aussi bon score cette fois-ci? Alors on espère un aussi bon score, mais ce qui est important aussi dans les territoires où on vote à gauche, à Rennes par exemple, mais aussi dans les quartiers populaires, c'est la mobilisation. Ce qui compte c'est 70%, mais aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui se mobilisent, parce que 70% à 3500 voix, c'est pas ça qu'on veut, c'est 70% à 35 000 voix par exemple. Et pour toi c'est quoi la mesure phare pour les jeunes de François Hollande? Moi je pense notamment aux 60 000 postes dans l'éducation nationale et à sa volonté de dire qu'il n'y aura aucun jeune de 16 à 18 ans qui sera sans solution. Tous les jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, on leur retrouvera un service civique, une nouvelle formation, parce que chaque jeune doit avoir sa chance. Et François Hollande le dit, il ne veut être jugé que sur une seule chose, c'est qu'en 2017, les jeunes vivent mieux qu'en 2012. Pour lever l'espoir, pour annoncer la conquête qui vient, pour préparer la France de demain, pour faire de la jeunesse le cœur de nos engagements, je suis candidat pour que la France réussisse, pour que la France se redresse dans la justice. Je suis candidat pour l'alternance. Je suis candidat pour l'espérance. Je suis candidat pour la France. Votez la victoire. Vive la Bretagne. Vive la République. Et vive la France. Et alors, au moins, lui, il a un programme. C'est quoi les mesures qui vous parlent dans son programme? Bah d'abord, la ratification de la charte des langues régionales. Ça, c'est très bien. J'ai des enfants qui apprennent le breton. Moi, j'ai pas eu la chance d'apprendre le breton. Alors, je suis très contente. Mes enfants apprennent le breton. Parce qu'en plus, c'est une diversité, c'est notre culture. Et alors, dans le programme de François Hollande, toutes les mesures de justice sociale et les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir de notre Bretagne, c'est l'avenir de la France. Le fait d'être à l'écoute des gens. Il était sur BFM. Le partage, le souci des autres. La franchise, la correction. Vous avez aimé son livre? Mais c'est pas. J'essaie de le faire signer. Le temps sont pas raf. La clarté et la cohérence, comme il dit, du programme. Et on sait au moins, il y a une ligne directrice, on sait vers quoi on va. Est-ce que ce soir, vous l'avez trouvé un peu plus agressif envers la droite que d'habitude? Agressif, oui. Mais déterminé plutôt, je dirais plutôt déterminé et avec la clarté nécessaire qu'on attendait. Par exemple, ce samedi, on va à Place de la Mairie et on fait du tractage et on milite un peu et on prend en photo devant la Place de la Mairie avec les gens, avec la pancarte vivement mai. C'est une petite association qui n'est pas très importante et qui milite pour que Hollande soit élu. Pour un avenir meilleur. Vous avez aussi la feuille avec 2012 raisons de voter pour François Hollande et donc chacun écrit sa raison et on prend en photo avec et on le met sur le site internet et après les gens peuvent revenir et elles sont affichées un peu partout. Vous voyez qu'il y en a beaucoup mine de rien. Et vous l'avez trouvé comment François Hollande ce soir? En forme, convaincant et convaincu. Et ça c'est important et ouais. il a dit ce qu'on avait envie d'entendre et pas seulement mais aussi Il
qui va travailler dessus et qu'on ne peut pas rester sur les échecs de Nicolas Sarkozy. Oh, ça, en Bretagne, on peut pas vous le dire. Apparemment, il l'avait prévu un peu de relancer sympa, de relancer à Rennes. Hein. Donc ce soir, vous êtes convaincu? On y était d'avance. Vous pouvez rire, vous là, de haut. C'est pas de leur faute, mais c'est des meetings mal gérés, vous voyez. Et ça fait au deuxième tour, et bien ça fait toujours des voix en moins. Non, c'est nul, voilà. C'est nul. Ça fait pas des voix en moins parce que vous avez pas pu assister au débat. Demi c'est nul. Personnes dehors à dire la même chose. Pas demi, oui, il y a pas 2000 personnes dehors. Non, mais au moins un dirigeant qui s'excuse. Je pense que si vous êtes une photographe professionnelle après, bravo, justement. Bonsoir. Ah voilà, oui, voilà. Les gars.